pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Vous n'avez pas trop chaud parce que cette semaine il fait très 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 chaud partout sur toute la France. On a très chaud. Vendredi nous prévoit, je crois, 36 degrés à l'ombre. On va avoir très chaud au mois d'août, on va avoir très chaud. Merci le dieu de la clim, c'est le meilleur investissement qu'on a fait de notre life. Donc là je vous reprends, il doit pas être loin de 11h30 je pense, 11h32 exactement. 11h32, je viens de finir de tourner un haul AliExpress, c'est pour ça que j'ai des swatchs un petit peu partout. J'ai tout arrangé, je vais vous faire voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Il y en a partout sur le plan de travail, comme ça je vais pouvoir tout ranger. Je vous retrouverai au rez-de-chaussée pour vous faire voir la petite tenue. Et puis une fois que je vais avoir tout rangé, je vous fais voir ce que j'ai utilisé pour le make-up. Je vous fais voir également ma petite commande Make-up Revolution, parce que j'ai reçu une petite commande, donc c'est dont une palette que je me suis servie aujourd'hui. Donc je vais ranger tout le bazar, je vous fais voir un petit peu. Voilà, l'ampleur du dégât du haul AliExpress que vous aurez mardi. Il y aura plein de choses, du make-up, du tout, plein de trucs. Plein de choses. Donc je range tout ça et je vous retrouve pour ma petite commande qui est juste ici, Make-up Revolution. Et des petites choses aussi que j'ai reçues du site YesStyle. Donc ça, je vous en parle tout à l'heure. Donc c'est parti, je range et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai tout rangé, ça c'est bueno, c'est dans la boîte. Donc je vous disais, pour le make-up du jour, j'ai rendez-vous dans une semaine chez le coiffeur, j'ai hâte parce que là, il commence à être un peu long et j'ai du mal à me coiffer. Voilà, j'y vais lundi prochain, donc ce qui fera un mois. Donc par contre, je pense que j'irai un petit peu plus tôt là sur celle du mois d'août parce que j'ai ma coiffeuse qui part en vacances les deux premières semaines de septembre. Donc je pense que j'irai peut-être sûrement fin août avant, voilà. Comme ça pour être tranquille, parce que sinon 15 jours, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, pour le make-up du jour, je vais m'approcher, voilà, vous verrez ça mieux peut-être en lumière du jour. Pour le fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Nabla, le close-up comme ceci. Pour le bronzer, mon Sculpt Glow de chez Focalure, hein, mon duo, et j'ai mis l'highlighter aussi qui va avec, il est magnifique. Le petit blush, c'est celui de chez Etude House, qui est le Ginger Honey Cookie, qui est parfait pour les teints clairs. J'aime beaucoup le rendu de ce petit de ce blush. Et pour les yeux, j'ai utilisé une nouveauté de chez Make-up Revolution que j'ai reçue. J'ai fait une commande, il y avait 3 pour 2, donc j'en ai profité. Et comme je vous l'ai dit, il y a le programme Reward maintenant, donc c'est pas mal. Donc celle-ci, c'est la Forever Flawless, c'est la flamboyance qui se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé, j'adore ces palettes-là, j'ai utilisé le Impress en creux, qui est assez poudreux, un petit peu de teinte corail et un petit peu de teinte ultra en coin, en racine. J'ai mis sur la paupière mobile, j'ai mis deux teintes, le flair qui est juste ici et le ibis qui est splendide, le ibis. J'aime bien la palette parce que du coup elle a des flammes en rose en impression dessus. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Donc celle-ci, c'est la flamboyant. Elle est aux couleurs estivales. On a du violet, on a du bleu, on a du rouge, du blanc. À voir. Donc je vais la tester là, je pense, cette semaine. Je trouve que le packaging est magnifique. C'est mes préférés, les flawless. Donc comme ils en ont sorti deux, bah, j'ai pris les deux, hein, forcément. J'ai pris également la Namaste with Cannabis Sativa. Donc le packaging pareil est sublime. Donc je pense que je vais retester toutes mes palettes chocolates parce que j'en avais déjà parlé. Et je pense que je vais pas toutes les garder parce que je les utilise pas. J'utilise plus les flawless que les chocolates. Donc ok, je suis collectionneuse, mais bon, si je n'utilise pas, autant en faire profiter quelqu'un. Donc je pense que je vais les retester et sûrement les vendre sur mon Vinted. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite sur mon Vinted, si vous voulez rien louper, en barre d'infos, comme ça dès que je poste quelque chose, et eh bien vous avez la petite notification quand je mets quelque chose en plus à vendre. Donc celle-ci, c'est pareil, elle est très jolie. Dans celle-ci, il y a plusieurs textures de fard. On a du mat, du irisé, on a du paillette compressé. Donc voilà, bah, celle-ci, elle est, je dirais qu'elle est un petit peu plus automnale, celle-ci, mais très jolie également. Donc à tester ces deux palettes là.
J'ai repris également, je vous avais dit que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de la gamme Révolution Pro, les Hydramat Liquid Lipstick. Donc là, j'en porte un des nouveaux ce matin, qui est le Dream, qui est magnifique. Ils ont un confort. Alors, je dirais qu'ils sont semi-mat une bonne partie de la journée, mais à force, vous voyez, ils se matifient. Mais ils sont ultra hydratants, ils ne dessèchent pas. Ils sont enrichis à l'acide hyaluronique et en peptides, donc ils sont vraiment, ils ont une bonne tenue. Franchement, c'est des bons rouges à lèvres. Si vous cherchez des rouges à lèvres liquide mat, c'est top. Je vous mets un petit swatch, une petite photo ici, parce que j'ai pris plusieurs couleurs. C'était 3 pour 2, donc j'en ai pris 6. Comme ça, j'en ai eu 2 gratuits. Donc, je vous mets la photo ici de ceux que j'ai pris. On a le Red Trip qui est un très joli rouge. On a le Dynasty qui a un rouge orangé qui est magnifique. On a celui-ci qui est le Rétro qui est un petit peu plus foncé. Donc, je pense qu'il sera idéal pour l'hiver. Et on a 3 roses. Un qui est le Prima qui est un rose un peu nude. On a le Init qui est un rose mais un petit peu vers le violet. Et on a celui que je porte là aujourd'hui, le Dream. J'aime beaucoup beaucoup ces rouges à lèvres. Franchement, je vous les conseille. Si vous cherchez des rouges à lèvres, ils sont pas entièrement mat, ils sont semi-mat. Mais voilà, ils sont ultra confortables sur les lèvres. Et pour finir donc ma commande Makeup Révolution, j'ai vu qu'il y avait un compte à rebours. Je ne sais pas ce que ça va annoncer. Un compte à rebours à l'envers sur Instagram. Donc je ne sais pas ce que ce qui va venir, mais on va voir. Donc on attend la fin du compte à rebours. Donc j'ai pris pour finir les petits gels antibactériens, puisqu'ils ont sorti des gels antibactériens. En plus, je trouve que le format est pratique. Donc je pense que je garderai les flacons vides pour pouvoir mettre dans le sac à main, parce que je trouve que mettre dans le sac à main dans la voiture pour après re-remplir, c'est top. On en a 3 à l'intérieur. On a celui qui a la lavande. Alors, je ne vais pas tous les ouvrir parce que je vais en ouvrir qu'un. Comme ça, je vais le mettre dans la voiture. C'est vraiment un antibactérial parce qu'ils ont des... Comme les Merci Andy, ils ne sont pas antibactériens. C'est des gels nettoyants, mais ils ne sont pas antibactériens. Et celui-ci, il y est. Donc, je vais en mettre un dans la voiture. Je vais mettre celui-ci à la noix de coco. Donc, je vais l'ouvrir. À l'intérieur, on a 60 ml. Alors, en plus il se ferme très très bien, donc ça c'est top. Je vais ouvrir celui à la coco, voir si ça sent vraiment la coco. Alors, on va en mettre sur la main. Donc ça se ferme très bien par contre. Donc c'est assez liquide. Bon, la coco, oui, si enfin, à la fin on sent la coco. Si, à la fin. Et ça pénètre assez rapidement. Donc celui-là, je vais le mettre dans la voiture. Et puis les autres, je les garderai pour après dans la voiture et mettre dans mon sac à main. Parce que j'en ai un dans mon sac à main, mais il est un peu plus gros. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Ils ont sorti plein de petites choses pour l'antibactérien. Puisque voilà, hein, je pense qu'on en aura encore besoin un bon moment de cet antibactérien. Et même encore après. Parce que là, on va droit vers la deuxième vague. Ça, les cas augmentent de plus en plus tous les jours. Donc, c'est pas très rassurant tout ça. Enfin. Ouais, ça sent vraiment la coco. Ouais, ça sent vraiment très bon. Ça sent très très bon. J'ai reçu également la box Emma et Chloé du mois de juillet. Donc, j'ai reçu un petit peu tardivement. Normalement, le code promo est valable jusqu'au 1er juillet. Donc, je suis un petit peu déçue de l'avoir reçu tardivement par rapport à mon vlog. Donc vous recevez une box pour 25 euros par mois Emma et Chloé, ce sont des bijoux qui sont de qualité. Vous recevez ça dans une box comme ceci et franchement c'est ultra bonne qualité. Donc chaque mois vous recevez un bijou avec un certificat d'authenticité. En général les bijoux sont dorés à leur fin ou en argent rodié. Donc c'est des pièces qui valent entre 40 et 100 euros pour 25 euros. Donc, et c'est fait vraiment... voilà, c'est des bijoux précieux. Les bijoux sont garantis 3 mois. À chaque fois, vous avez un petit magazine avec un dépliant. Donc, et chaque bijou est enveloppé dans un pochon comme ceci. S'il y a un code promo, je vous le remets à l'écran ou en barre d'infos parce que celui que j'avais était bon que jusqu'au 1er août.
Donc ce mois-ci, on a un bracelet qui est quand même assez lourd, qui est assez quali. C'est le jonc Asia. Donc il se présente comme ceci, je vais vous le mettre comme ça, après je vous le mettrai porté. Il est disponible en deux couleurs, donc soit en blanc comme ça, nacré, laiteux, ou alors en turquoise. Donc il y a en trois, non, il y a même trois coloris. C'est une pierre fine en nacre, donc là ça doit être de la nacre, oui c'est la nacre. En turquoise et en amazonite, donc moi je l'ai eu en nacre, j'adore. Sur une peau bronzée ou pas, hein. Porté seul ou en accumulation, il a une valeur de 65 €. Donc il est tout torsadé, j'aime beaucoup les joncs, vous savez j'aime beaucoup les joncs. Porté en accumulation avec d'autres bracelets. Donc je l'ai un petit peu resizé parce qu'il était un petit peu serré pour moi, mais il est vraiment très joli. Franchement, il est très très beau. Très très joli, très beau bijou, très jolie pièce. Donc bah, encore une fois, pas déçu. Jusque là, j'ai pas été déçue. Toutes les box que j'ai reçues, j'ai vraiment pas été déçue. Donc voilà, vous pouvez vous abonner pour, bah, pour 25 € par mois. Vous avez un joli bijou et voilà. Donc vraiment encore une fois, et les box, je les garde moi pour faire du rangement. Je les empile et bah, ça me fait des box à tiroirs après que vous pouvez recouvrir ou non. Moi, je les laisse comme ça et ça permet d'avoir du rangement. Donc ravie. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un colis de la part du City Style. Vous savez que je travaille avec eux, je reçois des produits, que je vous en parle, je texte, etc. Donc j'ai reçu un lot de produits, exactement le même lot que la dernière fois. Donc je pense que je vais vous les faire gagner, donc je vous les présenterai heureux après. Mais j'ai reçu un colis d'une marque que je ne connaissais pas et que j'ai hâte de tester. C'est une marque qui est comme ceci. Alors c'est la marque COS RX. Comme ceci. Et franchement, c'est une super compo. Il y a une très bonne composition dans les produits. Ce sont des produits qui sont enrichis de 7 complexes à l'intérieur. Franchement, j'ai hâte de tester ces produits-là parce que ouais, c'est calmant, c'est cicatrisant. Il y a vraiment, ça a l'air d'être très très concentré en actif. Donc à l'intérieur j'ai reçu plein de petites choses, donc j'ai reçu le tonnerre parce qu'on a une routine complète. Alors je vais vous sortir tout ça, je vais vous présenter les produits. Petit, et en plus je trouve que les packagings sont vraiment très jolis, enfin vraiment simple, pur. Donc on a un tonnerre qui permet, je vais vous dire à l'intérieur, parce qu'on a normalement on a j'ai vu qu'il y avait, voilà, il y avait des petits dépliants en français. Donc ça c'est top parce que voilà, quand tout est en anglais, c'est un petit peu embêtant. Donc je vous dire un petit peu à quoi cette gamme est enrichie. Donc la collection Pure Fit Sika de COS RX est une ligne de soins pour la peau élaborée à base de complexes de pure Sika 7 et d'extrait d'écorce de pin marime. Donc elle soulage les peaux sensibles. Cette crème adoucit, hydrate et renforce la peau pour la rendre plus saine. Le Sika est également connu sous le nom de Centella Asiatica ou Centellas. D'anciens contes appelant cette plante l'herbe à tigre, car une légende disait que les tigres se roulaient dans un lit de Centellas Asiaticas après le combat pour réparer leurs blessures. La Centella Asiatica est un remède efficace pour guérir, soulager, hydrater et réparer la peau. Donc il y a 7 ingrédients à l'intérieur. On a de l'asiaticoside, de l'acide asiatique, l'acide madécassique, de la madécassocide, l'extrait de Centella Asiatica, d'extrait de feuilles de Centella, d'extrait de racines de Centella, d'extrait d'écorce de pin marine qui renforce les défenses de la peau et permet ainsi de protéger les peaux sensibles. Donc en ce moment, je dois vous dire que j'ai la peau un petit peu tordue, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que j'ai fait une réaction, j'ai la peau ultra sèche, j'ai jamais eu la peau sèche comme ça. Bon, j'ai toujours la zone T grasse, mais alors je le sens que c'est sec. Donc je pense que je ne vais pas tarder à utiliser cette gamme. Donc on a dans cette gamme, on a d'abord un... Donc ce qui est bien, c'est qu'on a le petit dépliant, mais est-ce que c'est écrit en français? Je pense que c'est que en asiatique. Non, il est écrit en français. Donc on a le petit dépliant, donc on a un tonnerre dans un premier temps. Donc ça c'est une crème visage, on en met sur le visage sauf la zone sous les yeux. Ensuite on a un sérum également au propre, hein, voilà, le sérum. Alors le sérum, je vais vous le sortir. On a le sérum, je trouve que les packagings sont très épurés, c'est vraiment top. Et on a également un cleaner, un nettoyant. Donc eux, il y a une petite routine à effectuer.
d'abord d'utiliser le cleaner, ensuite le toner, le sérum, la crème et de finir par la petite poudre avant de faire eh bien, le make-up. On a une toute petite poudre qui est une poudre... Alors, je vais ouvrir, on a la petite notice. Cette poudre multi-usage au cica peut être mêlée à divers produits de soins pour la peau afin de la soulager. Donc voilà, vous pouvez mélanger cette poudre à votre crème de jour. Voilà, donc je vais voir comment je vais l'utiliser, puis je vous en reparlerai de toute façon bien quand j'aurai testé ces produits. De toute façon, je pense que ça va pas tarder. Je pense qu'il y a des choses que je vais utiliser assez rapidement. Et on a donc le nettoyant qui est comme ceci. Donc je trouve la gamme de produits vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram. Et vous avez d'autres produits de cette gamme-là. Vous voyez, vous avez toute la partie, la routine. Donc je vais garder ce petit dépliant parce que bah, pour tout ça, c'est pas mal. Et là, il marque la checklist. Comment est votre peau sensible? Est-ce que vous avez des fois la peau rouge? Oui. Est-ce que voilà, vous avez un petit questionnaire et une petite enveloppe prescription médicale. Vous voyez, ça fait la petite enveloppe prescription médicale. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, hâte de tester eh bien tous ces produits-là. J'ai vraiment hâte de les tester parce que c'est une marque vraiment qui... C'est une gamme qui me tente bien, qui m'attire. Bon, je vais enlever tous les packaging. Ça ne sert à rien que je garde tout ça. Mais c'est une gamme qui, ouais, qui m'attire. Et j'ai reçu eh bien, un lot de produits que je vous ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Yes Time, je vous la remets ici en fiche, vous ne l'aviez pas vu. Avec plein de produits de... Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu plein de produits que j'ai déjà reçus. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi je vais les garder. J'en ai déjà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Il y a à peu près 130 euros de produits. Donc, je pense que je vais vous les faire gagner sur Instagram. Hein, les conditions, pareil, toujours être abonné à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je pense que ça va arriver là dans la semaine du vlog, là, tout simplement. Je vais vous poster ce joli concours. Voilà. 130 euros de produits coréens. Il y a des très bons produits là-dedans. Donc, voilà. Restez en ligne pour gagner tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, hein, comme ça vous n'avez pas loupé ce concours là. Donc je vais ranger encore, décidément j'avais tout rangé tout à l'heure, il est sarré le bazar. Donc je vais re-ranger tout ça et puis il doit pas être loin de midi là, j'en sais rien. Il est midi 8, voilà. Donc on va manger vers midi et demi. Donc ça, donc je pense que je vous avais présenté déjà tout ce que je voulais vous présenter ce matin. Je vais vous faire voir la petite tenue, enfin, c'est vraiment très simple aujourd'hui, j'ai mis un petit top, un top et ce qui va faire très chaud. C'est pas les journées les plus chaudes mais il fait lourd aujourd'hui donc c'est pas très agréable. Donc je range tout ça et je vous retrouve au rez-de-chaussée. Bon, je vous reprends, il est 1h30 quasiment, on a fini de déjeuner. Et je vous fais voir la petite tenue, hein. C'est vraiment tout simple, j'ai remis une lessive en route. Hop. J'en ai préparé une autre là après. Donc la petite tenue, c'est vraiment tout simple. C'est un t-shirt que j'avais eu chez CEA, je crois. Et j'ai mis un pantacourt avec, voilà, noir et blanc, nickel. Et je suis allée au courrier, j'ai reçu pas mal de petits colis AliExpress. Ce sera pour la prochaine... Hop. Ça sera pour la prochaine vidéo. Et j'ai reçu ces petites choses-là, les petits caches pour mettre sur la webcam, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc je vais mettre ça. Là j'ai remis une lessive en route, j'ai fait des colis Vinted également, il y en a 3 qui sont partis ce matin, il y en a 2 autres qui repartiront demain matin. Il faut que je fasse aussi le colis de la gagnante du concours Makeup Revolution sur Instagram. Il faut que je fasse les photos pour le concours dont je vous ai parlé ce matin sur les produits Yay Style. Et puis accessoirement là j'ai un peu de boulot, on est le 28 du mois donc je vais commencer à préparer ma compta même si le cabinet comptable est fermé pour août. Donc ma comptable elle revient début septembre donc il faut que je mette août et septembre en même temps. Donc j'ai largement le temps de, mais je vais commencer à la préparer. Et j'ai un devis, un gros devis à faire là, donc je vais y passer un peu de temps.
Et j'ai également, il faut que je vous partage, je partage la box Emma et Chloé que je vous ai présentée sur Instagram. Voilà, donc j'ai un petit peu de taf. Donc je pense que je vais clôturer cette petite journée ici. Et puis bon, on se retrouvera demain. Donc demain, nous sommes quel jour? Mercredi, ouais, je ne sais plus. Je pense qu'on ira faire un petit tour avec Enzo jeudi matin à Action. J'espère qu'ils vont avoir remis des petites choses dans les rayons. Puis que bah, voilà, ça va être un petit peu plus fourni que la dernière fois. Donc on testera. Donc bah, je vous dis à demain. Et oui, et... Je pense que vous avez vu, j'ai raccourci. Enfin, là, ce sont mes ongles naturels. 3 mois de capsules et de gel d'acrylique powder. Vous voyez, mes ongles ne sont pas abîmés du tout. Donc, j'ai fait juste un petit vernis semi-permanent et puis du foil. Vraiment tout simple pour avoir un peu de couleur sur les ongles. Et puis, parce que comme ils sont tout mous, le fait d'avoir les capsules pendant 3 mois, bah, les ongles sont tout mous. Donc, ça permet que... De toute façon, je les recoupe après, moi. Mais là, j'ai reçu 2 kits. Trois kits de la marque Model Once que je vous avais présenté la dernière fois là dans le vlog dernier. J'ai reçu le même kit, donc je pense que je vous ferai gagner également. C'est bien, ça vous fait plein de cadeaux pour vous. Et j'ai reçu 2 kits pour faire avec les pop-its. Donc je vais tester ça. Je pense que je vais vous tourner la petite vidéo et puis je vous posterai ça en petite vidéo bonus. Voilà, donc je vous dis cette fois-ci à demain. Hello, on est mercredi, il est pas loin de midi, je viens de terminer de tourner une vidéo, notamment sur plein de produits, Révolution Pro, Aerot Révolution, etc. Donc vous verrez ça mardi en vidéo. Je vous avais dit que le mardi ça serait, je sais pas si je vous l'avais dit, que ça serait le haul AliExpress que j'ai filmé hier, et bien non, puisque ça fait plusieurs fois que j'ai regardé, tous les mardis je vous fais un haul, alors je vais changer un petit peu parce que j'ai plein de choses de make-up à vous présenter, donc, et à vous tester. Donc j'ai, ça sera pour, bah, j'ai un joli bouton là, mardi ça sera donc cette vidéo là pour mardi. Donc le principe de cet après-midi c'est de monter le haul Ali et de monter la vidéo que je viens de tourner. Et commencer à monter le vlog que vous regardez, c'est compliqué. Donc vous verrez ça mardi ce que j'ai utilisé pour ce joli make-up et ce que je pense de ces produits. Donc, comme je vous le disais, il est bientôt midi. Enzo est allé à la presse ce matin pour aller déposer les colis Vinted. Pour aller déposer les produits Vinted et puis les petits colis Vinted. Donc là, je vais refaire des petites photos pour mettre des choses sur Vinted. Donc, je vais faire les photos cet après-midi. Qu'est-ce que j'avais à faire aujourd'hui? Oui, je voulais vous montrer aussi, puisque lundi on est allé faire notre petite sortie, notre première petite sortie avec le Spider. Et bah, on était parti à la base pour acheter donc les gants, des nouveaux casques, parce qu'on a des casques de très très vieux, et donc des nouveaux casques avec le système de haut-parleur écoute là, pour qu'on puisse se parler de conducteur à passager ou de conducteur ou de passager à autre moto, etc. quand si on sort à plusieurs motos. Sauf que les casques avec le Covid, eh bien on ne peut pas essayer tous les casques comme on veut, on est limité à deux casques pour essayer, enfin dans ce magasin là. C'est cagoule obligatoire, donc on, bah, la cagoule prend de l'épaisseur, donc c'est pas facile de se rendre compte si le masque, le casque nous sert bien, enfin s'il est bien adapté. Donc on était un petit peu déçus par rapport aux essais de casque. On a trouvé les gants, donc je vais vous les montrer en bas. Et on a vu avec le gars, parce qu'on était parti sur un modèle spécifique de d'intercom, et finalement il nous a conseillé plutôt un autre modèle, puisque ça permet de se connecter sur 2 km à jusqu'à 16 utilisateurs, plus que le cardo, etc. Donc voilà, je pense qu'on va opter pour la deuxième solution. Et donc je pense qu'on va regarder un petit peu sur le site internet ce qui nous plaît comme casque. Et il nous a dit que ce système d'un intercom était avec ce type de casque, ces marques-là. Donc il faut qu'on regarde, parce que dans les marques qu'on voulait, le système d'intercom ne va pas dessus, ne s'adapte pas dessus. Donc il y a 3 marques qui nous a donné. Donc il faut qu'on regarde sur le site internet les casques qui sont susceptibles de nous plaire avec la tranche de prix qu'on veut y mettre, parce qu'on ne veut pas mettre plus de 200 € dans un casque. Il nous a dit de revenir avec les casques qu'on avait sélectionnés
Et comme ça, on pourrait faire les essayages. Donc voilà. Mais quand on est sorti lundi, il faisait très très chaud. Et là, on était en train de cuire. Sur le Spider, franchement, il faisait 39. En plein soleil, il faisait 39. On était en train de cuire. Donc c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas sortir quand il fait trop trop chaud. Donc ça nous a permis de voir quelque chose, quelques petites choses pour le réglage. Moi, j'avais pas un casque intégral. Il faut un casque intégral parce que à la vitesse où ça monte, eh bien, moi j'avais tout l'air qui s'engouffrait dans le casque et voilà, avec la rhinite et tout ça. Non, il faut vraiment un casque fermé. Donc c'est ce qui m'a conforté dans l'idée de prendre un casque intégral. Donc voilà, on a plein de petites choses, des petites choses au niveau de l'amortisseur. Ça a permis de régler pas mal de petites choses. Donc on a fait quoi 50 km à peu près. Donc voilà, ça a permis de faire une petite balade et de voir un peu comment il se comportait, ce que mon mari a bidouillé et tout, etc. Je range en même temps le bazar. Hein. Et donc comme ça, ça va permettre de voir tout ça. Accessoirement, aujourd'hui, il faut aussi que je lave mes pinceaux. Donc, je vais ranger tout ça. J'ai refait des tris aussi dans les palettes. Je pense que ces trois-là, je vais les remettre avant de, je vais les mettre avant de sur Vinted. J'ai pareil. Donc, ça, il faut que je refasse les petites photos. Ça, ça va sur Vinted aussi, ce que j'ai tourné. Donc, je vais pouvoir un peu ranger tout le bazar. Et puis, pour la... Je vais pas mettre parfum aujourd'hui. Je vais mettre celui-ci. Je voulais le finir. C'est de Anna et Maury. Ils sont trop bons. Il sent super bon. Je pense que encore demain et il est fini. Donc ça, c'est laver les pinceaux. Faut que je jette tous les emballages ici. Ça. Il faut que je range au fur et à mesure, les gars. Parce que sinon, vous me connaissez. Si je ne range pas au fur et à mesure, c'est la méga catastrophe. Ça, c'est poubelle. Donc, je vais finir, en fait, de ranger tout ça. Je vous retrouverai de chaussée pour faire la petite tenue. Mais c'est une petite robe chiline. Et là, je l'ai portée aujourd'hui avec un petit pantacourt. Comme ça, parce que j'ai mon shorty est pas sec. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec un pantacourt. Puis, finalement, c'est pas mal aussi. Donc, je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. Et puis, pour vous faire voir les gants qu'on a chopés. Donc, je pense qu'on y retournera... Là on va regarder sur internet exactement sur leur site internet ce qu'on veut un peu comme casque. Et en plus ils nous installent le système intercom gratuitement donc dans les casques et tout, donc c'est top. Donc on va regarder ça sur internet je pense ce week-end. Et puis la semaine prochaine je pense que mon mari, avec mon mari on refera une petite virée, parce qu'il refera une petite balade. Là cette semaine il fait faire très très chaud l'après-midi. Et puis mon mari est un peu débordé niveau travail. Donc il va prendre quelques jours quand même de vacances je pense la semaine prochaine. Ou une ou deux journées dans la semaine, chaque semaine. Parce que je lui dis il faut que tu te reposes quand même. Parce que voilà on devait partir 15 jours. Donc je lui dis tu vas pas rester jusqu'à cet été, l'été prochain sans vacances, c'est pas possible. Donc voilà, voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai réintégré deux petites choses pour en matière de soins. Je voulais vous en parler hier mais j'ai oublié. J'ai réintégré ce contour des yeux de la marque Pixie, c'est le Retinol Eyes. Crème lissante pour les yeux, donc je l'ai réintégré le soir en contour des yeux. Franchement, il est très très bien. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup en fait l'applicateur qui est vraiment comme si c'était une seringue. Ça permet vraiment de cibler. Et moi, je l'utilise après, donc je le fais un petit peu pénétrer dans la peau et après je viens l'appliquer avec ce petit roll-on là de chez Makeup Revolution. Je m'en sers matin et soir. Je kiffe ce produit. C'est frais, c'est super agréable. Et ce contour des yeux, jusqu'à là, aucun produit de la marque Pixie m'a déçu, hormis les petites lingettes démaquillantes. J'ai réintégré deux produits pour le matin, parce que j'ai fini mon sérum et ma crème de jour. Donc j'ai réintégré ce sérum-là de la marque Sienne, enfin que la marque Lidl. C'était dans la gamme Orchidée, c'est un sérum intensif. Alors il est bien bien nourrissant pour le matin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le packaging, vous voyez. Voilà, je trouve ça super hygiénique au niveau du packaging. Donc c'était le sérum intensif. Il y avait eu le contour des yeux. Le contour des yeux, j'avais pas trouvé sans sas. Mais le sérum est pas mal du tout. Donc à voir sur le long terme, vous aurez mon avis dans les produits terminés. Et après en crème matifiante, parce que je cherche toujours une crème matifiante pour le matin. C'est un soin mat hydratant à l'extrait de baie d'églantier pour les peaux mixtes à grasse de la marque Rivadouce. Eh bien, il est génial.
En plus, il sent super bon. Il pénètre très rapidement et il hydrate, mais en même temps, il fait, il combat la brillance. Il améliore la qualité de la peau. Les peaux sont visiblement resserrées, les imperfections sont atténuées, tout en laissant matifier instantanément. Donc, il y a du zinc, de l'acide salicylique, de la baie d'églantier pour réguler le sébum et lutter contre les imperfections. Il y a de l'alpha-bisabolol aux propriétés apaisantes. C'est non comédogène, il n'y a pas de parabène. Donc, un très bon produit. Les produits de la marque Ivadou sont de très bons produits. J'en ai tous ceux que j'ai testés, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, ce sont des bonnes compos et à petit prix. Donc, voilà, voilou pour les petits soins que j'ai remis en route. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais la peau super sèche en ce moment. Donc, je me fais deux fois par semaine ce masque-là, l'aloe vera. Il n'y a pas besoin de le rincer. Vous l'appliquez sur le visage en couche épaisse. 10-15 minutes. La peau, elle absorbe, et après vous enlevez l'excédent avec un mouchoir ou une petite lingette lavable et sèche, et après vous faites pénétrer. Et franchement, ça, pour les peaux assoiffées, c'est vraiment top de Dr Pierrico. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. Donc la petite tenue, comme je vous le disais, c'est la robe qui vient de chez Shein. Alors elle est quand même ultra courte, hein, faut le savoir. Donc avec soit avec un corset en dessous, ou comme là je l'ai porté avec un petit pantacourt legging, hein, tout simplement. Pour info, j'ai encore toujours le tatou. Et voilà, elles sont très fluides. Alors est-ce qu'on va voir là, je ne sais pas. Oui, on voit un petit peu. J'ai mis un peu de petites choses là. Vous verrez ça mardi. Donc je vous montre les petits gants. Enfin les petits gants. Je vous montre les gants qu'on a choisis. Il va faire très chaud. 27, il nous prévoit cet après-midi à l'ombre. On ne voit plus, on ne voit plus. Et voilà. Donc, mon chéri, lui, il s'est pris ceux-là. Les gants comme ça, ils sont coqués sur le dessus. Voilà pour quand. Et ils sont coqués aussi à l'intérieur. Il a pris en noir et en fluo. Et moi, j'ai pris, parce que je voulais un casque blanc. J'ai pris en noir et blanc comme ça également. Donc, et c'est de la marque All One. Voilà, comme ça. Donc, All One, ouais, c'est la même marque All One. Donc, je vais enlever toutes les étiquettes, etc. Comme ça, on aura déjà nos gants. Donc là, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on regarde pour les casques. Il faut que j'emballe le colis de la gagnante du concours Makeup Revolution Mystery Bag. Je vais l'emballer, comme ça il va être déposé demain en relais. Ce week-end, on a des amis qui sont venus manger. Ils nous ont offert un joli bouquet, mais bon, avec la chaleur, il a du mal à tenir. J'essaye de changer l'eau, etc. Mais il a du mal. Hein. Il a du mal à tenir, mais il est vraiment très joli. Il y a des roses, il y a un petit peu de tout. Comme les roses étaient magnifiques, c'est vraiment dommage. C'était vraiment superbe. Donc, depuis dimanche, je change l'eau tous les jours, mais il a du mal. Hein. Donc, comme je vous dis, là, on va faire, je vais faire à manger. Cet après-midi, j'ai ma compta à faire. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'ai toute ma compta à faire puisque, comme je vous dis, on est le 29. J'ai passé du temps ce matin avec la banque parce que, voilà, on avait des petits soucis pour le décaissement du prêt, pour le camion. Enfin, voilà, on avait des petits soucis. Donc, c'est réglé. Voilà, quand on tombe sur des gens compétents, c'est réglé. Voilà, c'est franchement, quand il y a des gens compétents, il faut le souligner parce que c'est assez rare quand on tombe sur des gens administrativement compétents. C'est assez rare, donc il faut le souligner. Donc, c'est top. Donc là, cet après-midi, voilà, j'ai du boulot pour la boîte. Donc, je pense que cet après-midi, je ne vous prendrai pas parce que j'ai du taf. Il y a de la compta, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, aujourd'hui et demain. Demain matin, nous allons chez Action avec Enzo. Donc, j'espère qu'on va trouver plus de choses. Alors, vous me demandiez où est le nouveau Action qui va ouvrir. Alors, je pense que c'est un Action. J'en suis pas encore sûre. Donc, pour l'instant, je vous dirai quand il ouvrira. Il est dans le 91, sud 91, à côté de la Ferté-Allée. Limite Cerny, la Ferté-Allée, je crois que c'est ça. Ouais, il est à limite. Donc, il est à quoi, une dizaine de minutes de chez moi. Donc, ça sera top. J'ai vu qu'il y avait des petites annonces pour comment ça s'appelle, pour responsable de magasin, etc. Donc je pense que ça va être vraiment Action. Mais sur le site Action, il ne marque pas qu'il va y avoir une ouverture. Donc pour l'instant, je ne sais pas vraiment si c'est un Action. J'espère. Voilà, comme ça, en 10 minutes, moi, je pourrais y aller au moins deux fois par semaine. Paix à l'âme de ma carte bleue. Enfin.
Donc voilà, j'espère que ces petits moments avec moi vous ont plu. On se retrouve donc mardi pour cette vidéo là où vous verrez que je teste pas mal de produits de plein de marques de Makeup Revolution et je vous donne mon avis dessus. Donc rendez-vous mardi. Mardi prochain, ça sera le haul AliExpress puisque je l'ai tourné hier. Donc il faut que je monte tout ça. Et puis le dimanche, hein, toujours les vlogs pour l'instant. Voilà, je vous fais plein plein de bisous. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des articles que je porte en barre d'infos. Et on se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.